Alors ça, oh. Alors ça, bien évidemment, on dit Yako. Yo, c'est comment les gars, c'est Slam la Mélonf, l'option dans cette heure sur Iconic. Un feat avec Dadju ou Taïk? Dadju, c'est mon bon grand frère, vraiment vous avez vu à la télé, c'est mon bon grand frère, Dadju. Tu danses Chamakwana ou Bongo? Bongo, ah, Bongo avait dansé tout le monde, hein. Chamakwana a fait un peu aussi, mais Bongo, ouais. Tu préfères Tigini ou Bessé? Là où je vais mettre un problème, un vrai frère, c'est les Bongo. Je prends les deux. Les deux. Tu likes le foot ou la musique? Le foot, hein. Le foot. À la base, je suis un footeux. Mais parce que c'est la musique qui a cartonné pour le moment. Peut-être après, hein, le foot va prendre le dessus aussi. Donc, pour le moment, je like le foot. Tu stream Queen of Babi de Andy S ou Allons avec ça de Slam? Allons ça, oh. Allons ça, bien évidemment. On dit Yako, hein. Tu matches avec Cardi B ou Megan Stallion? Quasi, parce que moi je suis un grand fan de Offset, donc là, sa femme, c'est ma femme. Quel a été ton meilleur son? Mon meilleur son? Allons avec ça, parce que c'est ce qui m'a propulsé, c'est ça qui a fait que je suis ici. Explique-nous ta première fois sur scène. C'était à 2 jours de la sortie de Allons avec ça. Le son cartonnait déjà sur TikTok, maintenant 2 jours avant la sortie officielle, on m'a contacté. Je ne sais même plus comment on appelait l'événement, mais je suis parti là-bas. C'était ma première fois de prester sur Allons avec ça. Et ce jour, vraiment, les gars, ils étaient réactifs. Ils avaient même attrapé des ballons gonflables, des trucs comme ça. Donc, ils faisaient ça comme ça, genre, pendant qu'on disait le Allons avec ça. Ils appelaient des personnes, même 2 danseurs. À la base, tous, ils voulaient monter, mais genre, on a fait monter que 2. Ils ont dansé avec moi, ils ont montré un peu ce qu'ils voulaient faire. C'était vraiment hâte. C'était bien. Pour une première prestation, c'était bien. Vacances en amoureux à Mykonos ou aux Maldives? Maldives. J'entends beaucoup parler, donc je pense que c'est un bon coin pour se poser le pain d'une manière. Karaoké sur Ziggy ou échauffement? Ziggy. Déjà, je vais savoir pourquoi. Ziggy. Parce que, voilà. Un feat avec Kiki Moteliba ou Ovieh Khan? Vous deux, même, vous faites quoi dans mon questionnaire depuis? Tchè! Bon, pour un feat, normalement, Kiki c'est un mélomane aussi. Hein. Donc, ça a plus passé, mais je vais dire au Ovieh Khan pour aller chercher un challenge. Parce que lui, il est d'une manière, il chante sa grosse voix. Nous, on chantait un mélo. Je pense que si on assemble les deux, on voit un peu. En tout cas, c'est laissé. Il préfère un feat avec au Ovieh Khan. Iconic, the new Africa.